Monsieur le Président de l'UNED, Mesdames, Messieurs les membres du bureau exécutif de l'UNED, chers invités, chers congressistes, le Président Kabbara aurait bien voulu participer personnellement à cette cérémonie, mais à cause de ses activités professionnelles, il a décidé de y passer pour l'Europe. Il m'a désigné pour le représenter. Il me garde de vous dire grand merci. Grand merci d'avoir placé votre confiance en ma personne et au PDG. Et je vous souhaite plein succès au travail. Pour terminer, j'aimerais ajouter quelques mots. À mon avis, je pense que, à chaque fois, qu'un parti politique organise une telle assise, je pense que c'est encore la célébration de la démocratie. Il ne faut pas évoquer le multipartisme. C'est dans cette logique de victoire. C'est dans cette logique de victoire que je propose que la démocratie soit pour nous un guide. Un guide très intime à nous. Un guide clairvoyant. Un guide bienveillant. Bienveillant, un guide sûr et peut-être qui durerait un pays. Enfin, un guide audacieux. Pour que, à chaque fois que nous aimerions poser des actes, il faut que ces actes soient réfléchis, soient mûris, soient illuminés avant de les poser pour le bonheur. Vive la démocratie, vive le